Le groupe scolaire Saint-Pierre à Calais, pas de Calais, a reçu, mardi, un appel anonyme témoignant de la présence d'un engin explosif dans les locaux. Selon France Bleu Nord, mis à jour le 17 avril 2018, 21.2.01 publié le 17 avril 2018, 21.2.01800 élèves du groupe scolaire Saint-Pierre à Calais, dans le Pas-de-Calais, ont dû être évacués mardi 17 avril dans l'après-midi après une fausse alerte à la bombe, rapporte France Bleu Nord, vers 14h30. L'établissement a reçu un appel anonyme témoignant de la présence d'un engin explosif dans les locaux forçant la direction à appeler les forces de l'ordre, indique la radio. Arrivés rapidement sur place, ils ont procédé à l'évacuation de ces 800 élèves de maternelle et de collège. La police a ensuite procédé à des vérifications pendant près d'une heure et n'a finalement rien trouvé d'inquiétant. Il s'agissait d'une fausse alerte. Les élèves ont pu regagner l'établissement vers 15h30 et ont repris les cours normalement. Une enquête est toutefois ouverte par la police de Calais. Les auteurs de ce canular encourent jusqu'à 2 ans de prison. À lire aussi sujets associés Scalais Société Faits Divers.